Évoluer, se reconvertir. Dans le numérique, comme pour tout projet d'évolution, voire de reconversion, trois étapes sont à franchir. Première étape, bilan et analyse de votre situation actuelle. Avant de construire les solutions, il est important de mieux comprendre vos aspirations, de déterminer clairement vos motivations, d'identifier vos besoins et de laisser les idées émerger. Ceci peut se faire via un bilan de compétences, du coaching, la rencontre avec des personnes déjà actives dans le numérique et ayant organisé et vécu ce type de transition. Des témoignages vidéo sont également disponibles en ligne. Deuxième étape, faire le point sur vos compétences adaptées au métier visé, puis identifier les formations qui les compléteront. Selon votre situation, vos interlocuteurs seront Pôle emploi, le Fonds GESIF, le CIBC, les Chambres de commerce des métiers et de l'artisanat, l'APEC ou la GEFIP. La question du financement de la formation sera conditionnée par le fait que vous soyez ou non en activité. Les moyens de concrétiser son projet sont variés. Les acteurs historiques de la formation, tels que l'AFPA, les GRETA ou le CNAM, proposent des parcours vers les métiers du numérique. Des formations fondées sur des pédagogies actives permettent d'engager un changement radical en un temps relativement court, voire du côté de simplon.co ou du 101, créé avec l'appui de l'école 42. Dans cette période de maturation, suivez des MOOC pour vous former. Accompagnez la construction d'un projet professionnel ou testez votre appétit sur des contenus techniques. Ces formations en ligne renforcent votre agilité numérique. Motivation confirmée, métier identifié, formation repérée, enclenchez la troisième étape. Confrontez votre projet à l'environnement. Deux éléments clés à cette étape. Première clé, organisez une veille. Écoutez des témoignages, lire des articles, consulter les blogs spécialisés vous permettront de comprendre l'évolution des métiers, les transformations technologiques et d'avoir déjà un pied dans son nouvel environnement. Deuxième clé. Rencontrer des professionnels en activité pour comprendre leur quotidien. Cela peut être de votre initiative, à l'occasion d'une période de mise en situation en milieu professionnel, ou d'un stage. Ces contacts permettront aussi de travailler un tout nouveau réseau à mobiliser dans sa recherche d'emploi.